On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Ils les ont lâchés. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne va pas avoir de problème. C'est bon. Circulez! J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs immédiatement. On dirait que la voie est libre. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok ? Fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS, j'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles.
C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Faites attention à vous, là-bas. Ah, ça me peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette, ici. Que la lumière soit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Prêt? Bien, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Hé, hey, va regarder par là-bas. Je l'ai! Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là.
crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends, des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Revenez. Ne me laissez pas comme ça. Revenez. En route. Tu veux qu'on s'y prenne comment? Bon, on les a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville.
peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Par ici. La planche est tombée. Tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité? On est presque arrivé. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ferme-la. Ramasse les munitions. Hé, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qui nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Non, 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 c'est bon, j'ai une carte. Maintenant, t'as compris. Ok, je peux le faire. Ne prends pas la tête avec ça. Ah.
Maniez-vous, on crève de faim. On se calme un peu. La prochaine tournée arrive tout de suite. T'as intérêt à faire la queue comme tout le monde. Putain, ça fait un bail que j'attends ça. Pas de carte de rationnement, pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui, ça ? Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Foutez-moi le camp. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt ? Je te couvre. Ouais. Élimine-le. J'ai ça pour toi. Jolie trouvaille. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter ? Robert est doué pour une seule chose : rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Bon, on peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Donne-moi ta main. Ok. Ici,
encore des gars de Robert. Comment tu sais qu'ils les voient ? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Je suis passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Des lucioles ? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Oh putain. Allez, on fouille le coin. Hey, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est bouclé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors ? Il se planque chez qui cette nuit ? C'était toi, putain ! Je crois que ça venait de par là. Qu'est-ce que tu as, mec? Allez! Consolider les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier. C'était quoi ? Putain, je crois que ça fait par là.
J'aurais dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais. Viens, les quais sont par là. On y va. Ah!
Parlez, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Va! Robert! Joël, par ici! Il s'est réfugié ici! Tess, Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé.
T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Les lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Joël, donne-moi un coup de main. Hé, tu tiens le coup? Ça ira. Stop. Les soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Tant pis. Ça te servira à rien de me tuer. Pas de bruit. Joli. Ok. Joli coup de... Ils sont en force aujourd'hui. Montre-toi, le vagabond.
fait ça. Ici non plus. Continue à chercher. Je vais regarder de ce côté. Va voir en bas. T'es où, sale fils de pute ?